Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième circuit qui s'adresse donc à tout public. Nous, on y aura avec trois niveaux différents, débutant, intermédiaire et confirmé. Donc le nombre de répétitions sera différent selon les niveaux de chacun. Nous, on aura besoin de très peu de matériel aujourd'hui, donc de deux bouteilles d'eau, d'une chaise et d'un tapis. Voilà, tout simplement. Alors la différence par rapport à ce niveau-ci et au niveau des sportifs, c'est qu'ici, là, on a le temps. On va donc prendre le temps d'essayer de progresser et à chaque séance de faire des choses un tout petit peu plus difficiles, mais de ne pas aller trop vite dans des choses où on risquerait de se mettre dans le rouge. D'accord? Donc le but du jeu là, c'est de faire une séance sans forcément se mettre dans le rouge, mais se faire du bien et travailler à peu près tous les muscles. Alors, on va commencer par le premier exercice. On va se mettre au sol. On va faire des abdos pour commencer. On va travailler les obliques. Ici, alors pour les débutants, on va faire, je lui ai prévu 15 répétitions pour les débutants, 20 pour le niveau intermédiaire, 30 pour les confirmés. Moi, je vais commencer sur le niveau débutant, qui me permettra d'aller un petit peu plus vite. Allez, on est prêt, on se met au sol. Donc, je vais vous demander de lever vos omoplates, ici, avec les mains, de chercher sur les côtés. Allez, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 au relâche. On prend 30 secondes de récupération entre chaque atelier, d'accord? Les circuits pourront répéter 2, 3 ou 4 fois. Exercice numéro 2. On va travailler le dos. Ici, dans cette position, il faut garder les pieds bien au sol, mettre les bras devant soi. On lève les épaules et les mains vont venir chercher derrière les fessiers. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 au relâche. C'est bien. Parfait. Donc vous récupérez. Vous mettrez frais pause sur la vidéo. Pour récupérer, on va enchaîner ensuite sur un travail de gainage latéral. Hier, on était sur un gainage ventral. Là, on va se mettre sur le côté. Ici, d'accord. On place bien sa main. On est parti pour, allez, 20, 30 ou 40 secondes. Le fait de mettre le bras dans l'axe facilite l'équilibre normalement. On est prêt. Allez. Tiens. On doit être bon. On relâche. J'ai même pas pris mon chrono. Il va arriver. On va faire 100. C'est pas grave. Hop. Vous avez changé de côté. Ici, allez, on est prêt, parti de l'autre côté, on enchaîne. Le fait d'avoir le bras dans l'axe doit permettre de faciliter l'équilibre. Si jamais c'était trop dur, vous avez la possibilité également de le faire sur les genoux ici. C'est un peu plus facile. On relâche. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de faire des pompes sur les genoux. Alors, pour ceux qui ont mal aux genoux, vous pouvez prendre un coussin, une mousse. Ici. Voilà. On va avancer un petit peu.
L'écartement des mains à peu près celui des épaules. Si on veut travailler plus en pectoraux, on remet les mains ici vers soi un petit peu. Allez, on est prêt, bascule du bassin, on ne cambre pas. Et on est parti, 15, 20 ou 30 répétitions. Allez, on souffle en poussant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 au relâche. Donc 15, 20 ou 30 répétitions. Bien. Une fois que vous avez fait cet exercice, on va travailler un petit peu les mollets. Alors moi j'ai pris une chaise, on peut le faire au mur, c'est pareil. La chaise se permet surtout d'éviter d'avoir un problème d'équilibre. Donc je vais vous demander pour les mollets de vous mettre sur la pointe des pieds une seconde, de relâcher une seconde en bas et de repartir. Allez, on est prêt. Pareil, 15, 20 ou 30 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 au relâche. C'est bien. Maintenant, après la récupération bien sûr, je vais vous demander de prendre deux bouteilles. On va travailler les deltoïdes au niveau des épaules. Ici, je vais vous demander de lever la bouteille sur les côtés et de les descendre. On est prêt, je mets sur le côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 15. On relâche, pareil, 15, 20 ou 30 répétitions selon votre niveau. Très bien. Ensuite, un exercice un peu plus original. On va travailler la hanche. Alors, je vais prendre une coupelle pour que ce soit plus visuel. Vous pourrez prendre un livre ou n'importe, quelque chose. Je vais vous expliquer comment vous procédez. Donc, la chaise est là pour m'aider au niveau d'équilibre. Je vais vous demander de fléchir la jambe qui est près du mur ou de la chaise. Celle-ci, elle est fléchie. La main va donc au niveau de la hanche ici. Et je vais prendre un objet que je vais demander de faire une rotation ici de la hanche dans un sens. Alors, je recule un peu. Ici. Ça peut ne pas être une poubelle, hein. Tout autre objet. On va voir si au niveau visuel. Le but du jeu de la voir, c'est qu'en fait, je veux pas que le pied décolle le sol. Donc, je suis ici fléchi, renforce ce côté-ci, l'équilibre, on est bien stable, bien droit. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 au relâche. Travaille bien la jambe ici. Normalement, vous devez le ressentir. Mais pour l'instant, on regarde la même chose sur le même côté. Je vais reprendre la coupelle pour qu'on le voit mieux peut-être. D'accord? Ici. Pareil, on réfléchit. Et là, on va refaire la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens de rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on le répète, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. C'est bien.
faire la même chose de l'autre sens. Avec la coupelle, ça fait du bruit. On va l'enlever. Hop, hop, ça adapte à l'espace qu'on a. Bien. Donc là, on doit pouvoir changer de jambe. Je fléchis là, ma jambe droite. Ici, pour l'équilibre. Mon bassin est bien placé. Et pareil. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Pareil, vous récupérez 30 secondes. Vous pouvez aller plus lentement que moi. J'ai toujours tendance à être un peu trop rapide. On prend, on espère que c'est bon. Pareil, on fléchit la jambe. Plus on fléchit, plus ça travaille forcément. Et là, on change de rotation par rapport à tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Et là, normalement, on doit bien sentir sa jambe ici. Parfait. Pour finir le dernier exercice, ça va être un travail de chaise. Donc, normalement, vous placez bien votre chaise contre un mur. Donc là, je n'ai pas bougé l'angle de ma caméra. Si peut-être, je vais vous demander donc de mettre les mains au niveau des épaules, de me faire des squats, c'est-à-dire que la fesse va toucher la chaise, dès que je touche, je remonte. On est prêt, c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, on souffle quand on monte, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5, on relâche. Très bien. Donc là, on a fait les 8 exercices. Il faut me faire au minimum 2 tours pour les débutants, 3 tours pour les intermédiaires et 4 pour les confirmés. Je vous dis donc à demain. J'essaierai donc de proposer une autre séance et de varier à chaque fois, d'augmenter doucement la difficulté. Voilà, sans se mettre forcément dans le rouge, on a le temps dans ce petit exercice. L'intensité, vous la ferez dans les séances qui sont prévues pour les sportifs. Allez, bon courage, à bientôt.